Le monde a changé. La cité aussi. Le Collège La Cité, prêt pour demain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Élodie Laflamme et je suis agente de liaison au secteur du recrutement et marketing. Aujourd'hui, un autre live Facebook, mais juste avant, je tenais à vous remercier de nous suivre en grand nombre sur les médias sociaux, que ce soit sur Instagram ou Facebook. On veut vraiment garder le contact avec vous, donc on est content que vous soyez là. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le programme de journaliste, un excellent programme qu'on offre à la Cité qui dure 2 ans. Et qui de mieux pour venir nous en parler avec nous que le coordonnateur du programme, Daniel Tremblay. Donc, merci beaucoup, Daniel, d'avoir accepté de venir nous parler du programme aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Bienvenue au meilleur programme du Collège de la Cité. Oui, puis tout le monde qui nous écoute aussi, si vous avez des questions pendant l'entrevue, des commentaires à nous dire, peu importe que ce soit des inquiétudes, peu importe, on est là pour répondre à vos questions dans les commentaires. Puis pour commencer, Daniel, j'aimerais ça qu'on fasse le tour un petit peu à quoi ressemble le programme de journaliste à la Cité. Bien, c'est un programme de 2 ans. C'est un programme qui est très, très, très pratique. Il y a un peu de théorie la première session, mais la théorie ne dure pas longtemps. C'est-à-dire, on va donner, par exemple, une demi-heure, une heure de théorie. Et ensuite, on fait beaucoup, beaucoup de pratique parce que le journaliste, c'est un métier qu'on apprend beaucoup en le faisant. Il faut écrire, il faut parler au micro. Il faut parler devant une caméra, donc pratique. Donc, première session, plus de théorie, mais dès qu'on tombe dans la deuxième session, troisième session et quatrième session, c'est de la pratique. La quatrième session, c'est troisième et quatrième session, c'est seulement de la pratique. Alors, il n'y a pas de cours théorique. Et c'est pour ça que, comme en première année, cette année, à cause de la pandémie, la première session se déroule à distance. Mais dès la deuxième session, on n'a pas le choix, il faut donner des cours en personne, parce qu'on travaille avec des caméras, on travaille avec un studio, on a un studio de radio juste ici. Oui, c'est là que vous êtes présentement. Là. Je vais vous faire visiter. En fait, ça ce sont les postes de travail pour faire du montage de reportages télé. OK. On a séparé ça par des plexiglas. Il y a des postes qui étaient ici, mais qu'on a mis ailleurs. Donc, on respecte le 2 mètres de distance, il n'y a pas de problème, ça va bien, on les infecte. Mais bref, le programme de journalisme, c'est un programme où on fait comme à la télé, à la radio ou dans les journaux, on le fait pour vrai et on le répète, ce qui fait que quand nos diplômés arrivent sur le marché du travail, ben, ils ont déjà fait des bulletins radio, des bulletins télé, ils ont déjà fait des articles dans un journal. Donc, c'est très, très pratique comme programme. Excellent, c'est super intéressant. Puis à quoi ressemble l'horaire des cours? Est-ce que c'est des cours qui se donnent plus de jours, de soirs? Des cours de combien de temps? Ce sont des cours réguliers, c'est 3 heures. On a surtout des cours de jour, on n'a pas de cours le soir. Les derniers cours finissent vers 6 heures. Par contre, il y a des travaux à faire après les heures de cours. Comme par exemple, la semaine prochaine, mes deuxièmes années vont devoir faire un reportage télé en une journée. Leur premier reportage télé qu'ils ont complété cette semaine, d'ailleurs, dimanche, ils ont eu 2 mois pour le faire. C'était le reportage qu'ils devaient faire au mois d'avril, mais qu'on a continué à faire. Là, jeudi prochain, ils ont un reportage à faire en une journée. Et l'heure de tomber, c'est minuit. Alors, ils seront ici là, jusqu'à, j'espère, le matin, parce que moi aussi, je vais aller me coucher. Mais normalement, les gens vont finir vers 9-10 heures. Puis aussi, lors de la fin de la session, on leur demande de faire un long reportage, plus long, 3-4 minutes. Et puis, ils vont devoir venir ici le samedi, le dimanche. Ça va dépendre de leur horaire à eux, mais c'est sûr qu'il y a nos cours sont pendant le jour, mais il y a des travaux à faire en dehors des heures de classe, ne serait-ce que pour aller couvrir un événement. Quand vous êtes journaliste, que ce soit en presse écrite, en radio ou en télé, les étudiants doivent sortir du collège, aller rencontrer les gens, faire leur travail de journaliste finalement. Et puis, c'est drôle parce qu'il y a quelques années, on avait moins de sorties sur le terrain. Puis à un moment donné, où les profs, on s'est regardé, on s'est dit, on en est venu à la conclusion, il faut les faire sortir plus. Sortez d'ici, vous êtes journaliste. Totalement. Vous n'êtes pas ici, allez sur le terrain.
C'est ça que les étudiants font. Ils sortent comme les vrais journalistes. Allez sur le terrain. Bon, là, à cause de la pandémie, là, on fait attention. Là, on couvre de la même façon que les professionnels. C'est-à-dire, pour la télé, on a des perches. Oui. On met nos masques, on se tient à 2 mètres de distance, on désinfecte notre équipement avant, donc il n'y a pas de problème. Mais ça, on se dit, c'est pour un an. Là. Ceux qui vont appliquer en septembre l'année prochaine, bien là, on espère que tout le monde va être de retour en personne. Puis est-ce que c'est un domaine qui est très en demande sur le marché du travail? Je suis très content que vous me posiez. Bon. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on entend parler, fermeture de médias, de journaux, c'est difficile pour les médias nationaux, TVA, la presse et tout ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous sommes en pénurie de personnel. On a besoin de journalistes, on a besoin de nouvelles générations de journalistes, surtout en région. Vous voulez travailler à la télé demain matin, là? Vous voulez passer à la télé? Appliquer dans l'Ouest, à Vancouver, à Winnipeg. Ils ont tellement besoin de journalistes qu'ils sont obligés d'engager des Français. Non, je suis chez des amis français. Il y a beaucoup d'emplois. Il faut accepter de partir pendant 2 ans ou quelques années dans l'Ouest. Vous n'êtes pas obligé de passer votre vie là, quoi qu'il y en a qui restent. Mais bref, il y a une pénurie de personnel. On manque de personnel. Et j'aime ça que vous donniez l'occasion justement de dire aux étudiants, aux futurs étudiants et à leurs parents, il y a de la job là-dedans. C'est sûr et certain. Bien là, il faut quand même que vous soyez bon, que vous soyez potable, que vous soyez fonctionnel. Mais il y a beaucoup d'emplois. Et moi, à chaque semaine, on m'appelle ou on m'écrit comme coordonnateur. On me dit, Daniel, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait combler notre poste? Et on a une page, on s'est fait une page privée de Facebook de diplômés. Et chaque fois qu'il y a une offre d'emploi, on envoie ça là-dessus. Donc, malgré tout, il y a une pénurie de personnel. On n'arrive pas à combler la demande de journalistes. Donc, un étudiant qui viendrait faire sa technique en journaliste n'aurait pas besoin nécessairement de poursuivre à l'université? Non, mais on recommande quand même d'aller à l'université. C'est sûr qu'avec son diplôme du collège, il pourrait être journaliste en commençant. Ce n'est pas comme chirurgien. Mais on recommande le bac parce que, d'abord, ça fait intelligent. C'est parce que je dis ça, parce que dans les grandes stations comme TVA et Radio-Canada, s'il y a un poste permanent qui s'ouvre, ils vont prendre seulement ceux qui ont des bacs. Intéressant. Si tu n'as pas de bac, tu vas rester 35 heures, mais attends, tu n'auras pas le statut de permanent. La priorité sera à ceux qui ont des bacs. Un bac en n'importe quoi. En journaliste. Ça peut être un bac en géographie, ça peut être un bac en journaliste, ça peut être un bac en droit, un bac en histoire. J'ai des amis qui ont un bac en géographie. Il y a un autre point aussi qui rentre en ligne de compte, un autre avantage de faire l'université. Ton salaire est déterminé par ton éducation. Alors, si tu obtiens un poste à TVA et tu as seulement que le collège, on va te donner, mettons, ici, l'échelle salariale, un bac, 2 échelons salariales de plus. Donc, ça ne prend pas de temps que tu paies ton université. Mais on recommande d'aller à l'université. Et ce qui est bien en journaliste, c'est que c'est un des programmes où on a une entente avec l'Université d'Ottawa. Oui. Ça, c'est un raccourci. Tu fais 2 ans ici, 2 ans à l'université et tu as ton bac SA. Wow! Alors, 4 ans depuis secondaire, là, c'est un raccourci. Mais c'est sûr que tu peux aller dans d'autres... Dans d'autres programmes, si ça t'intéresse, comme politique ou tout ça, mais ça fait partie de l'entente, nécessairement. Mais on offre un raccourci. Il y a beaucoup de gens qui font le raccourci, c'est-à-dire qu'ils vont terminer leur programme de journalisme à l'Université d'Ottawa. Ils font 2 ans de la cité, 2 ans de l'Université d'Ottawa, et ils ont leur bac. Ce que beaucoup d'étudiants font aussi, c'est qu'après leurs 2 ans au collège, comme ils sont opérationnels parce qu'ils ont appris ici comment être journaliste, ils commencent tout de suite à travailler et ils font leur université à temps partiel ou à temps plein, mais leur travail, c'est de faire du remplacement à Radio-Canada, à TVA ou dans les... Beaucoup de gens ont fait ça, comme par exemple l'actuel ministre de la Famille au Québec, Mathieu Lacombe. Oui. Exactement ça qu'il a fait. C'est un diplômé en journalisme. Alors, c'est pas pour me vanter, mais c'est mon diplôme. Wow! il a terminé ici, il a fait du remplacement à Radio-Canada en même temps qu'il poursuivait son bac. Wow! Fait que la plupart des étudiants font ça, d'ailleurs.
C'est ça, c'est de beaux avantages. Puis est-ce que c'est un programme qui est reconnu partout au Canada, le programme de journaliste? Oui, tout à fait. En fait, c'est que le programme de pour être journaliste, il n'y a pas d'ordre professionnel, contrairement à policier ou avocat, psychologue, il y a un ordre professionnel. J'ai des collègues journalistes qui aimeraient bien ça, qu'il y ait un jour peut-être un ordre professionnel, mais là, ce n'est pas le cas. En fait, n'importe qui peut être engagé comme journaliste si vous êtes capable d'écrire et tout ça. C'est sûr que c'est mieux d'avoir son diplôme et d'avoir son diplôme pour le faire, se pratiquer un peu avant d'appliquer. Exactement. Même si moi, je l'ai appris un peu sur le tas, comme on dit, mais à l'époque, c'était la mode. Mais là, maintenant, avec le programme de journaliste, la cité, l'avantage, c'est que tu peux vraiment te pratiquer et sortir d'ici là, vraiment opérationnel pour travailler dans les stations de radio, de télé ou dans les journaux. C'est ça, parce que vous avez tous les équipements aussi, je pense, dans vos studios. Là. Quand vous dites tantôt que les étudiants vont à l'extérieur, j'imagine qu'ils ont les caméras, les micros et tout ça. Tout à fait. Et nous sommes très fiers. Je suis très fier. Nous sommes très fiers. Là, 19-20 ans, quand j'ai commencé, ça fait combien de temps? Ça fait 15 ans. Depuis 15 ans, nous avons, on offre, on a un cours qui s'appelle, qui est vidéaste. C'est-à-dire que les étudiants tournent eux-mêmes et montent eux-mêmes leurs reportages. Alors, avant, par exemple, un journaliste de la télé, caméraman, c'était pas son boulot, monteur non plus, c'était pas son boulot. Mais là, le vice-président de l'enseignement à l'époque, M. Claude Bergeron, avait dit on devrait leur apprendre aussi à se préparer et leur apprendre à tout faire. Mm-hmm. Et c'était une bonne idée parce que maintenant, c'est ça. Maintenant, journaliste à la télé en région, on va s'attendre à ce que aussi que tu filmes que tu sois toi-même le caméraman et le monteur et le journaliste. Et ici à la Cité, c'est ça qu'on fait. Comme par exemple, mes étudiants, la semaine prochaine, jeudi, mes deuxièmes années, ils doivent se trouver un sujet. Ça, c'est difficile pour certains. Mais... Tantôt, j'appelais une étudiante et elle m'a proposé un sujet. Je dis, ouais, c'est un bon sujet, tu peux y aller. Elle va faire ça sur l'auto-cueillette de courge en Outaouais. Donc, elle va partir elle-même avec sa caméra. Les étudiants font tout, de A à Z. Ils se trouvent un sujet, ils appellent les intervenants, est-ce que je peux y aller? Elle va se rendre avec sa caméra sur place. Elle va interviewer le propriétaire du champ de courge. Elle va... Wow. Elle va interviewer les gens, les citoyens qui sont venus cueillir des courges en famille. Elle va revenir ici. Elle va choisir les extraits de ses entrevues. Elle va écrire son texte. Elle va rentrer les images dans les ordinateurs qui sont là. Puis, ensuite, elle va venir me voir pour faire approuver son texte. Une fois que son texte va être approuvé, elle va lire sa voix dans le studio qu'elle a. Elle va prendre sa voix, mettre ça dans l'ordinateur, et après ça, elle va faire le montage de tout ça. Et ça va durer 2 minutes, à peu près. Oh, wow. Et elle a jusqu'à minuit pour finir. On lui souhaite bonne chance, non? Mais, tu veux, mais dans la vraie vie, ils jouent jusqu'à 5 heures le soir pour terminer. Mm-hmm, c'est vrai. Vraiment comme. Mais là, la session 4, ça va être ça. L'heure va tomber, ce sera 6 heures comme dans la vraie vie. Mais là, pour tout de suite, on va leur donner jusqu'à minuit. Mais déjà là, Oui, c'est vraiment de A à Z, là. Donc, c'est intéressant. Puis une question qui me vient en tête, souvent, le monde des journalistes, on pense qu'il faut que ça soit tous des personnes qui sont extraverties, qui adorent être devant la caméra. Est-ce que c'est ça vraiment nécessairement pour tous? Non, pas nécessairement, parce qu'il y en a vraiment... Notre programme, c'est on fait les deux. On fait la presse écrite, on fait la presse parlée. Mais c'est sûr que... Il y a des gens qui ont de la personnalité pour faire seulement, ils disent, on va faire seulement de la presse écrite. Et moi, je leur dis, bon, on va vous faire faire de la radio et de la télé quand même. Mais que ce soit parlé ou écrit, il faut quand même que tu sois débrouillard, parce que la nouvelle, c'est bien beau de la savoir écrire, mais il faut que tu ailles la chercher. Il faut que tu convainques les gens de t'accorder des entrevues, que tu fasses des téléphones. Oui, ça, je dis souvent ça aux étudiants. Vous savez que ça sert à appeler, ça aussi, des gens? On l'oublie avec le temps. Parce que là, on a l'habitude d'envoyer seulement des courriels, mais ça, c'est là où là, genre, un étudiant me dit « Monsieur, j'ai envoyé un courriel à mon intervenant, à mon invité, mais il ne me répond pas. » Là, je dis « Appelle-les! » Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Donc, j'ai perdu le fil. Mais parce que ça, j'imagine que ça se travaille aussi au cours du programme, là, l'aisance d'être devant une caméra ou des... Oui. En fait, à chaque année, pas mal à chaque remise de diplôme, j'ai toujours un parent qui vient me voir, qui vient me serrer la main, puis qui me dit
Je ne sais pas ce que vous avez fait à mon gars, mais il est pas mal moins gêné qu'avant. Oh, wow! Moi, c'est un beau compliment. Hein? Vraiment. C'est sûr qu'après le programme de journalisme, ça vous dégêne quelqu'un, là, tu n'as pas idée. Parce que c'est normal. On leur demande de faire des téléphones, de les rencontrer les gens, d'aller convaincre les gens. Comme par exemple, mon étudiant qui va aller faire des courses, quand on va rencontrer le propriétaire, elle va dire « Bonjour, je m'appelle. » Quand elle va devoir convaincre les citoyens de m'accorder « Bonjour, je fais un reportage, je suis étudiant, je fais un reportage pour étudiants. Est-ce que vous voulez m'accorder une entrevue? » Tout ça. Oui. Tu n'as pas le choix. Et on a même j'ai une partie de cours où on enseigne un peu ça, la détermination. Comme je vais donner un exemple. Quand vous serrez la main de quelqu'un, là, vous serrez fort et vous regardez dans les yeux, pas le nez, ni le menton. Tu regardes, tu sais, pas. C'est vrai. C'est important. Et quand vous parlez aussi, vous allez apprendre à. Il faut qu'il y ait de l'assurance. Soyez pas gêné. Comme par exemple, je vous donne un exemple, quand on pratique beaucoup des converses, c'est-à-dire avec un micro, un registre, vous allez voir. Alors, l'état d'esprit d'avoir, c'est. Ce que je vais vous dire, c'est important. Écoutez-moi. Alors, il faut parler un peu avec assurance, comme par exemple, « Bonsoir, Madame, Monsieur, le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré… » Et non pas « Le Premier ministre Justin Trudeau… » Il y a une différence. Fait que ça, c'est des choses qu'on enseigne. Et par la force des choses, ben, vous sortez d'ici, même si vous étiez gêné au départ, c'est sûr que vous allez être moins gêné quand vous allez sortir d'ici. Vous n'aurez pas le choix. Mais c'est une bonne chose parce que… Ça peut vous servir dans votre vie courante. C'est ça, j'allais dire. Par après, même si vous n'en allez pas en journalisme ou même si vous faites la presse écrite, vous allez sortir d'ici là, plus déterminé qu'avant, ça, c'est sûr. C'est bien. Puis, est-ce qu'il y a des conditions d'admission pour entrer dans le programme? Ça, je connais moins ça, je dois vous dire. D'abord, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de test de français, là. Je pense que ça prend un secondaire 5. Les conditions officielles, il ne connaît pas. Peut-être qu'il faudrait qu'il pose la question. Je m'en excuse. Par contre, je connais les conditions. Pour le marché du travail. Pour que vous réussissiez sur le marché du travail. Oui. Il y en a trois. Je vais essayer de mentionner les trois. Ça fait partie de mes cours. OK. La première, il faut aimer le français. Il faut aimer faire des textes. Il ne faut pas nécessairement être bon en français, parce que même si vous avez des difficultés en français, l'expérience a prouvé que beaucoup s'améliore. Okay? Votre français peut. Si vous aimez écrire, vous allez vous améliorer. Faites-moi confiance. Mais il faut aimer écrire des textes. Si vous n'aimez pas écrire des textes, n'allez pas en journaliste. Vous allez être triste parce que. C'est ça qu'on fait tous les jours, écrire des textes en français. On va couvrir quelque chose, on vient, on écrit un texte. On va à une partie de hockey, on vient, on écrit un texte. On va voir un spectacle, on vient, on écrit un texte. C'est ça à tous les jours. Donc, si vous aimez écrire le français, ça va bien aller. Deuxième, c'est faut être curieux. Faut être curieux pour pouvoir faire une belle histoire et raconter l'histoire aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux lecteurs. Et le troisième, c'était, j'en ai parlé tantôt. Il faut être déterminé. C'est pas un emploi. Je ne veux pas donner d'exemple d'emploi où on travaille moins fort, mais c'est pas un emploi facile. Il faut être déterminé. Par contre, c'est un emploi qui est tellement passionnant. Moi, je dis que c'est le meilleur emploi au monde. Et je vais vous dire pourquoi. On est toujours là quand ça se passe. On sort du bureau. Alors, quand on est journaliste, on ne passe pas sa vie là, devant notre ordinateur entre 9 et 5. Là. On n'est presque jamais au bureau. On est au bureau pour écrire notre article, c'est tout. Le reste, on ne sait jamais où c'est qu'on va se ramasser. Et on ne peut pas le savoir parce qu'on suit l'actualité. Donc, un matin, tu rentres et tu te fais dire, non, Daniel, enlève pas ton manteau. Là, tu t'en vas à l'inauguration d'une usine de panneaux gaufrés à Blue Sea Lake. Je n'ai jamais été là. Je me souviens, un jour, j'ai fait un reportage sur la première machine à récolter des framboises. Dans votre restaurant à Pont d'Ascal. Il faisait 32 degrés. Et là, le monsieur, il avait quelque chose à faire, le propriétaire. On a pris des images. Le propriétaire a dit, je reviens dans une demi-heure, je vais prendre une pause. En attendant, je vais ramasser des framboises. On a ramassé des framboises et on s'est installé dans le champ. Et il faisait tellement beau. On avait une belle vue. Puis là, j'ai dit au caméraman, tu te rends compte qu'on est payé pour être ici?
C'était ça, le travail. Donc, on est toujours quand ça se passe. On rencontre des gens intéressants et importants, comme moi, j'ai rencontré Wayne Gretzky, j'ai rencontré Céline Dion et j'ai rencontré Wayne Gretzky. C'est Daniel Cézouin, là, je le Je ne sais pas quoi y dire. Mais là, si j'avais travaillé ailleurs, ils m'auraient, tu sais, on m'aurait présenté, là, Wayne Gretzky aurait dit bon, OK. Mais ouais. comme j'étais journaliste et ils veulent soigner leur image, là, il m'a dit « Hi, Daniel. Nice to meet you. How are you? » Fine. » Même chose pour Céline Dion. Ou encore, quand ce n'est pas des vedettes, des fois, ce sont des gens importants et intéressants. Mm-hmm. Des directeurs de ci, des directrices de ça, quelqu'un qui a fait quelque chose de spécial, un professeur, un artiste. On rencontre toujours des gens. Si on en fait une nouvelle, c'est parce que ce sont des gens intéressants, des gens qui ont fait des choses vraiment importantes. Donc, et même, c'est un job tellement le fun que moi, presque chaque été, je remplace comme journaliste pour garder la main, mais aussi parce que je ne suis pas obligé, là, je pourrais prendre mes vacances à faire mes vacances de prof l'été, mais je remplace l'été parce que ça me manque, puis moi aussi, je vais en faire des reportages, pas juste mes étudiants. C'est ça. Ah, mais c'est le fun de voir que vous êtes intéressé de continuer à être dans le domaine. Puis les autres professeurs, eux, est-ce qu'ils ont une grande expérience aussi? Est-ce que c'est tous des gens dans le domaine? Moi aussi, je suis content que tu me poses la question. C'est comme c'était pratique. Tous nos professeurs sont journalistes. Alors, OK, bon. Cool. Comme présentement ou ils ont été journalistes avant? Présentement. Mario Boulian, qui est le professeur de presse écrite, c'est le rédacteur en chef du journal Le Droit. Notre prof de médias sociaux, Sabrina Rivet, c'est une de nos journalistes à la radio à Montréal. Je ne voudrais pas me tromper, je pense que c'est 98.5. Jessica Reardon, qui est notre prof de photographie, elle est photographe professionnelle. C'est ça qu'on, dans la mesure du possible, et là, on a réussi. C'est un avantage. On a réussi à 100%, je pense, cette année. C'est que tous nos professeurs, ils exercent actuellement le métier. C'est ça. C'est un grand avantage pour le programme parce que les étudiants, souvent, c'est ça qu'ils recherchent, c'est des professeurs qui sont dans le domaine. Tout à fait. Et c'est le fun parce qu'on peut donner des exemples. Comme quand je remplace l'été, je peux dire aux étudiants, par exemple, là, faites pas la même erreur que moi, j'ai fait cet été. Et puis aussi, je leur montre des exemples quand je dis des nouvelles ou je partage des liens quand je disais des nouvelles à TVA Carleton. Et c'est le fun parce que ils peuvent se dire, ben, le prof, il doit savoir qu'est-ce qu'il dit, il le fait cet été. Je ne voudrais pas non plus être un professeur qui enseigne quelque chose que ça fait 20 ans qu'il n'a pas fait. Parce que ça évolue beaucoup. Et ce que j'aime, par exemple, de remplacer l'été, c'est que j'ai découvert, c'est quoi être journaliste avec les médias sociaux, avec Facebook, avec Twitter. Ça a beaucoup changé. Et aussi, c'est quoi être journaliste quand il faut être vidéaste, c'est-à-dire qu'il faut faire tout nous-mêmes, comme on fait faire à nos étudiants. Alors, je fais des reportages, moi aussi, vidéaste. Je pars avec la caméra seul, je fais le montage. Et en le faisant moi-même, bien là, je me rends compte, OK, il ne faut pas que j'oublie de dire ça aux étudiants, parce que ça, s'ils ne le font pas, ça va être compliqué pour eux autres et tout ça. Fait que je développe des trucs pour partager mes trucs avec eux autres. Ah, c'est très intéressant. Vraiment, parce que c'est important de ressentir aussi, je pense, en tant qu'étudiant, que nos professeurs savent de quoi ils parlent, puis ils ont vraiment de l'expérience aussi. Ouais. Puis, en terminant, Daniel, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce qui te rend le plus fier du programme de journalisme. C'est une bonne question. Personnellement, tu veux dire? OK. OK. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ce qui me rend le plus fier, c'est de voir... comme la semaine dernière, deux de mes diplômés, une à la suite de l'autre, à RDI, à la télé. Héloïse Rodriguez, qui était à Halifax, Marie-Hélène Ratel, qui était à Toronto, les deux d'affilée. Wow! Après, ce matin, le bulletin d'RDI vous est présenté par les diplômés du Collège de la Cité d'Ottawa. Et puis, ça me rend fier, comme par exemple, le correspondant parlementaire à Ottawa de ce temps-ci, Louis Blouin, qui couvre aussi la politique américaine, qui était à Washington cet été.
c'est mon diplômé. J'ai sa photo ici en salle de classe parce qu'il a remporté un prix pour la soirée des reportages. Et là, c'est le fun parce que quand je vois, ce qui me rend plus fier, c'est quand je vois mes finissants à la télé ou que j'entends à la radio ou que je les lis dans le journal. Et à la télé, des fois, je les regarde aller, puis là, ils vont dire quelque chose, ils vont faire quelque chose. Et là, je sais très bien que c'est moi qui leur ai appris le truc. Mais ça, je suis très fier. C'est très valorisant. Là. Juste pour ça, là, ça vaut la peine que je me... Ça se ressent. Ça se ressent que vous êtes fier. Puis, est-ce que tu as un dernier mot à dire pour les futurs étudiants qui aimeraient venir étudier dans le programme? Venez le faire pour vrai. Si vous avez toujours rêvé d'être journaliste et si vous êtes prêt à être déterminé si ça vous intéresse, venez le faire pour vrai. C'est ça qu'on fait ici. Et vous allez voir que je pense que vous allez voir que c'est le fun. C'est drôle à dire, hein, mais je pense qu'on apprend beaucoup en s'amusant. Et c'est ça qu'on essaie de faire dans ce programme-là. C'est tout en apprenant, on essaie de s'amuser en même temps qu'on ait du fun. Comme par exemple, si tu peux me permettre de donner un exemple. Oui. Les étudiants ont fait des stand-up hier, c'est-à-dire des finales de reportage. C'est-à-dire deux phrases, là, on les voit. Ils disent, bon, c'est pas la direction promet de réagir la semaine prochaine. Daniel Tremblay, TVA, à Ottawa. Donc, on a fait ça. Bon. Tantôt, après le Facebook Live, je vais faire le montage de leur stand-up, mais je vais faire le montage de leurs bloopers. Moins drôle, ça! Et on va regarder ça, alors, un peu comme pour se récompenser d'avoir travaillé fort, faire des bloopers. Ben là, il y a la partie, OK, on s'amuse, on garde des bloopers. Plaisir, c'est ça. Je trouve ça important qu'il y ait ça, là, qu'on puisse avoir des récompenses de temps en temps. Comme à la fin de l'année, au mois de décembre, on fait une soirée des reportages, une grande soirée des reportages. On invite des juges, on donne des prix. Ça, je trouve ça important. Ça nous aide à continuer dans notre parcours de 2 ans. C'est ça, à rester motivé. Puis je pense que le plaisir jumelé avec les études, c'est très important aussi pour être capable de se rendre jusqu'au bout aussi puis d'accomplir nos objectifs. Surtout de ce temps-ci. Totalement, totalement. Bien, c'est ce qui conclut le Facebook Live. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir accepté de prendre ce temps-là pour nous. Merci, j'ai-tu bien fait ça? Oui, on va mettre les bloopers à la fin, non? Bien, on pourra mettre éventuellement le lien parce qu'on a une chaîne YouTube. Oui, ça va être dans la description. Dans l'étudiant et dans, si vous allez fouiller là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans la chaîne YouTube, vous allez voir les bloopers. Bloopers 2020, que ça s'appelle. Excellent, on va l'écrire dans les commentaires. Donc, merci encore et merci à tous d'avoir écouté le Facebook Live d'aujourd'hui. Restez à l'affût sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent aussi pour le Collège La Cité, puis pour parler de d'autres programmes et d'autres informations importantes. Donc, merci tout le monde. Bye, bye.